Samidola, Amuk, the Manua, Mapo Group, Ai, Azabote Group. I'm not afraid.
Parce que ce monsieur, il était juste à Nantes. Oui, je l'appelais ce soir pour dire grand frère, je suis parrain. J'aimerais vraiment que tu viennes soutenir ma maman. Et il a conduit la nuit là pour venir me soutenir. Et c'est pour ça, le cadeau qu'on m'a offert, je veux que ça soit à lui. Parce qu'il a fait des efforts. Donc, je veux vraiment que ça vienne de vous, ça vienne de moi. Et ça veut dire que vous avez gagné toujours. Je vous dis encore merci. Merci mon grand frère. Bien, mesdames et messieurs, je me permets de prendre la parole ce soir parce que à des situations pareilles, émotions pareilles. Je tiens à remercier toute l'assistance, à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu se déplacer ce soir, assister à cette merveilleuse fête. Nous sommes dans des situations difficiles, certes, mais cela ne nous empêche pas d'accompagner des frères qui tiennent à nous. Surtout, Zahin, il m'a sollicité, il a dit « Mon grand frère, quels que soient les problèmes que tu vas traverser, je souhaiterais vraiment que tu sois là ce soir. » Ceci étant, je suis parti de Nantes et je suis revenu sur Paris l'assister dans l'effort qu'il contribue et dans l'effort qu'il fait pour le peuple ouais. Merci Zahin, merci à tout le monde, merci beaucoup et merci à la maman des artistes, merci à la secrétaire, surtout, merci à l'assistance pour votre patience. Surtout, merci. C'est à vous le merci et je crois que la fête va continuer. On va démarrer. Merci Zahin. Merci pour tout le monde. Merci beaucoup, Eloge Bonron, le Bourreau. Avant que l'orchestre ne continue, ce qui est très important ce soir, c'est vrai, nous avons notre orchestre, nous notre système qui va nous accompagner tout au long de cette soirée. Mais ce qui est important, nous avons nos invités qui sont venus. Les invités d'honneur, les présidents d'association, nous allons prendre 5 à 10 minutes pour pouvoir récolter les fonds. Mes frères Didier, Léo, est-ce qu'on peut laisser un peu les guitares s'il vous plaît? Merci. Je voudrais entre temps aussi, ça m'a échappé tout à l'heure, remercier Monsieur Zao Armand, et le président de Adoué, et il y a un projet dans le même cadre avec l'association du Mali, la construction d'un hôpital à Djokoué, qui se trouve à Péon et à Baé. Je voudrais dire un grand merci pour sa participation. Sa femme, elle est membre de l'association du Mali. Zao Armand, merci d'être là ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Lazare Guéry, qui est venu à son épouse, qui sont nos invités d'honneur, je voudrais m'adresser aussi à toutes les présidentes. Ce soir, c'est une soirée de récolte de fonds. On veut relever les fonds pour l'association du Mali. L'enquête est là, l'animation est là. Mais l'essentiel pour nous ce soir, comment Adjoubati va acheminer son conteneur de 40 pieds à Abidjan. Et le président de l'association, Madame Mouka Oulaï Céleste, je suis prêt. Lazare Oulaï, je suis prêt également. Colonel I, avec ton cabinet, je suis prêt également. Monsieur Jean Collin, ça a failli m'échapper, je suis prêt également. Madame Boucher Majerine, présidente de l'association Force Tranquille, je suis prêt également. Je voulais signaler la présence d'un de mes amis les plus chers. Il réside à Londres, il a fait son entrée de façon incognito. Il est candidat dans la circonscription de Tawake Zibiaou. Il s'appelle Dante Apollos. C'est le futur député de cette circonscription. Il est venu de Londres. Mesdames et messieurs, on l'appelle le président. Dante Apollos. Il est accompagné de
Issam Kakone, qu'on appelle souvent Sankara. Madame Majerine Boucher, elle est présidente. Madame Pla, Majerine Boucher, Clarou, elle est présidente de la force tranquille du micro. Je salue toute l'assistance ce soir. Ben, c'est juste de remercier à Ivali, l'association qui nous a invités. Je suis la présidente de la force tranquille. La force tranquille, c'est une jeune association. On vient de naître juste en 2015, octobre 2015. Donc, si nous, nos aînés, nous invitent, il fallait qu'on vienne pour voir un peu prendre l'exemple des anciens. C'est à ce titre-là. Étant jeune association, on est venu faire acte de présence quand même pour nous faire connaître. Voilà notre enveloppe. Pas grand chose. Nous sommes nés il n'y a pas longtemps, mais il fallait qu'on vienne soutenir Akibadi, dont la présidente est Martine Rossio. Merci beaucoup, Madame Majorine Boucher, avec sa délégation, la Force Tranquille, l'association. Nous avons fait une enveloppe de 100 euros à l'association Akibadi. Merci beaucoup. Monsieur Kounali. Bien, moi je prends la parole, c'est Monsieur Kila. Moi je prends la parole au nom de Monsieur Kounali Thomas. Kounali Thomas n'est pas président d'association, c'est un cadre de Djokwe. Par conséquent, l'association Adibadi est de Tawaké dans le Kandoro. Et tout ça, nous faisons partie du démon. Pendant on a dans le Missadi, elle est présidente de diverses associations. Mais sa fonction principale, elle est politique. Elle est présidente de l'Union des femmes du PCI de France. Elle est la vice-présidente de PCI Ribauche. Ribauche, pardon. Présidente PCI Ribauche. Elle est aussi membre du bureau politique. Et récemment, le 16 septembre, elle a été décorée chevalier dans l'ordre du Bélier. C'est une grande militante avec une grande expérience avec le premier parti de notre pays, le PDCI. Maman du Dubois. Merci beaucoup, je vais t'en haut. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est sa fille présidente. La présidente PSI et c'est Karen Léon. C'est qu'elle encaisse tous les jours. Et contre l'argent. Madame Sérékoué. Le grand Sérékoué de l'autre côté là-bas. Mais son épouse, son papa, c'est le fondateur de cette
coutume de chez nous, le droit de référence, le droit de notoriété à Fakadou. C'est le coup, mesdames et messieurs, l'appel pour les élus. Yeah.
Donc, ouais, Nene est déterminé. Oui, tout est bien, Tania. Donc, il y a un petit peu de temps, il y a un 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 peu de temps, il y a une association à l'Ivalier. Je suis ici ce soir parce que la présidente de cette association
ce matin, ma mère vient de Kembria, mais on n'a pas eu à nous réunir pour l'association de groupe pour cette situation. Je suis venu, voilà, que je donne cette enveloppe de 100 euros pour vous m'encourager. Thank you.
Thank you.
organisé. Et le président du comité d'organisation, c'est M. Loge Mamou. Nous avons décidé, toute la communauté ouest, de Taï à Bangolo jusqu'à Kibi, nous avons décidé d'organiser le peuple ouest. Et les élections vont se passer au mois de février. Les candidatures seront ouvertes à partir du 20 décembre. Donc tous ceux qui ont la possibilité, qui ont la volonté, qui ont l'espoir de pouvoir prédestiner à notre avenir, les candidatures sont reçues au siège du comité d'organisation, dont M. Zouklement en est le porte-parole. Je voudrais dire également merci à M. Akilas Gnao. Akilas Gnao. Je voulais vous voir, s'il vous plaît, M. Akilas Gnao. C'est une personne discrète. On applaudit très très fort, c'est une fierté du peuple ouest. Akilas Gnao, il est président de l'ONG Cap Ouest en Côte d'Ivoire. Il a fait le déplacement spécialement pour cette cérémonie. Alors, un temps soit peu, si on peut lui accorder juste 2 minutes, parce qu'il a effectué 6000 km pour venir apporter, ne serait-ce que moral, mais je ne sais pas, dans sa stature, si éventuellement on peut soutirer quelque chose. Je lui laisse le micro, monsieur Akilas. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de vous dire bonsoir. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici en famille web. Alors, juste une petite précision, l'ONG Cap Ouest est une ONG qui a été fondée en France, mais est représentée en Côte d'Ivoire en état légal. Donc, nous faisons beaucoup d'actions sur le plan social, à Bangolo, à Dioukoué, que ce soit dans l'Ouest. Les Bangolo et Dioukoué sont dans les zones sur lesquelles nous avons entrepris beaucoup de projets sociaux. Donc, je citerai par exemple la mise en place d'une garderie d'enfants vulnérables et orphelins à 8 prisons. C'était une action de Cap-Ouest. Nous avons essayé aussi de contribuer aux actions économiques en mettant en place à Bangolo la première, unité de production d'œufs. Et nous essayons d'aller de l'avant avec les moyens que nous avons. Je dis un grand merci à l'association Adibadi qui a permis cette de nous retrouver ce soir. Nous les soutenons dans les actions qu'ils mènent et je pense qu'avec cette association, nous pouvons entreprendre d'autres actions en Côte d'Ivoire parce que notre région précisément a été victime de beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir sur de douloureux souvenirs, mais nous avons la responsabilité de rehausser ou de permettre à notre région de sortir de la pauvreté. Et c'est le combat que moi je mène avec l'association Cap-Ouest qui est représentée en France et en Côte d'Ivoire. Je ne serai pas long. Je voudrais dire un grand merci pour tout ce qui est fait. Je voudrais profiter de l'occasion pour donner une contribution à l'association Adibadi. Et je vais vous remettre en somme de 100 euros pour l'initiative aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Akilas. Il y a une association qu'on appelle Cap Ouest qui va dans le même sens que vous et qui ont déjà réalisé beaucoup d'événements, beaucoup de réalisations. Merci beaucoup, M. Akilas. Merci pour votre contribution. Nous avons donc droit au français. On a un peu de temps. Même au prophète, on
Oh,
Attention, attention.